Hey, coucou à tous! On se retrouve pour cet épisode 30 donc de la série Minecraft Survie, pardon. Donc aujourd'hui, on va respawn l'Ender Dragon. On va le tuer avec les Elytras. On va essayer de faire un combat un peu plus épique que la première fois. Et du coup, bah, l'usine Enderman, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Et on va essayer d'obtenir une tête de creeper aussi en fin d'épisode si on a assez de temps. Donc là, j'ai commencé à faire un champ de moutons, enfin un champ. Un élevage plutôt, pardon. La Hello qui perd, qui mélange les pinceaux. Donc j'ai commencé à avoir pas mal de trucs. Donc là, bah, ma truc à redstone, quoi, parce qu'on en a besoin. Là, j'ai ramassé. Enfin, j'ai ramassé. J'ai pris dans les coffres ce qui en restait comme roche. Je suis en train de faire cuire de la cobble pour en avoir plus. Donc là, je vais vous montrer comment créer tout simplement les cristaux de l'End pour pouvoir faire respawn le dragon. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut que je mette. Donc il faut qu'on ait des yeux de l'End. Donc voilà. Enfin, de l'ender, pardon. On met les 4 larmes de ghast en bas et il vous faut 28. Donc, il vous faut 4 cristaux pour pouvoir faire respawn le dragon. Donc là, on a nos 4 cristaux. On va les mettre ici. Là, je suis en train de farmer un peu de poudre de creeper. Histoire de pouvoir me refaire des fusées parce que là, j'ai tout ce qui me reste. Donc, je suis en train de tuer les mobs quand il fait nuit. En plus de m'amuser à farmer un peu de laine. Donc, on va dire que l'épisode va être assez long à préparer pour cette semaine. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est Minecraft, c'est la vie, hein. Il faut préparer tout ça. Donc, je farme du blé, je farme de la laine, je farme du mouton. Bon, là, je peux plus les reproduire, si. Bisous, bisous, mouton. Yes, bisous. Et là, je vais paraître complètement frappadingue, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Vous voulez pas vous reproduire, vous deux? Et là, il y en a un qui veut se reproduire? Non? Non? Et rip le blé? Ok. Bon, donc voilà, vous voyez un peu l'objectif d'aujourd'hui. Donc, vous comprendrez en temps voulu pourquoi bah, il me faut tout simplement de la laine. Et pourquoi j'ai besoin de tant de blocs. Il va falloir qu'on s'éloigne de l'île de laine de à peu près 120 à 150 blocs pour être bien au niveau du spawn. Et après, bah, je vous expliquerai un peu comment ça se passe pour le spawn des Enderman, quoi. Il va falloir qu'on farme des perles d'Enderman aussi parce que j'en ai plus dans les coffres. J'ai utilisé les dernières pour faire justement les cristaux. Donc il va falloir tout simplement bah, s'amuser. Voilà. Donc je vais prendre un stack de poulet en plus sur moi parce que dans l'end, la bouffe risque de partir très très vite. Donc on va foutre ça là-dedans. Et on va peut-être se prendre une ou deux potions au cas où on a un gros gros fail avec l'Ender Dragon. Au cas où on ne sait jamais. D'ailleurs, on risque de dormir avant d'aller dans l'end au cas où il y a un souci. La première fois, on n'est pas mort, mais sait-on jamais. Un fail d'Elo peut être très très possible, on va dire. Il me reste pas grand chose. On va prendre une potion de chute lente au cas où, bah même de, au cas où on faille lamentablement. Donc les potions, bon, on va prendre une potion de force quand même. Bon, je pense pas qu'on s'en servira. Donc vous voyez par rapport à la dernière fois, j'ai rajouté les bannières sur la carte. Comme ça, on voit où est l'alchimie, la maison, le nether. Donc c'est plutôt cool. Alors, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais continuer à farm tranquillement pour l'épisode et on se reprend un peu plus tard. Alors, les amis, on se retrouve. Donc, j'ai une shulker de roche encore. Là, j'en ai pas mal. On a notre redstone. On est plutôt bien. On a tout notre élevage de moutons. Donc, on va... Ah, attendez, non. J'ai une enclume là-dedans. On va fusionner vite fait ça. Bon, je réparerai plus tard. Parce que vous voyez, celui-là, il va bientôt break. Alors, dans le pire des cas, au moins, ça évitera d'avoir des soucis en tuant l'Ender Dragon. Les cristaux. Ça, c'est good. On va se foutre tout ça dans l'Ender Chest au cas où on ne sait jamais si on meurt dans l'End. Je me suis fait des fly duration 1 en vrai. Parce que... Je me dis que ça sera peut-être plus pratique pour tuer l'Ender Dragon, quoi. Donc j'ai pas mal de laine, donc c'est plutôt cool. On va prendre toutes les potions sur nous. On va prendre les flèches également. Ah, les fusées, non, par contre. Parce que j'ai peur de si je meurs, de tout perdre. On va foutre ça là-dedans plutôt. On va récupérer la table de craft quand même. Eh bah écoutez, on est bon, hein. On n'a plus qu'à aller dans l'end. Tuer Under refaire respawn Ender Dragon. Eh bah écoutez, je vais dans l'end et je vous retrouve dans l'end.
Et on se retrouve du coup dans l'end. Donc j'ai farmé quelques enderpearls, vous voyez. J'ai mis mes élytras, j'ai mis une tête de citrouille du coup. Et j'ai pris l'autotem. Donc on va essayer de se tuer l'Ender Dragon en volant. On va essayer. Je vous promets rien. Je l'ai jamais fait vraiment. Je me suis servi déjà des élytras quand j'ai fait respawn le dragon pour détruire les tourelles. Mais j'ai jamais tué l'Ender Dragon avec les élytras. Donc écoutez, on va se tenter ça, on va voir. Hein. Alors. C'est parti, donc on va aller au centre, on va disposer les petits cristaux de laine histoire de pouvoir faire respawn le dragon. Donc on va les placer ici, à chaque fois au centre. Et vous allez voir, il y a une petite animation pour pouvoir faire respawn les tourelles et le dragon. Vous voyez, regardez ça. Regardez l'animation, j'adore. C'est vraiment très 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 bien fait. Pourquoi il n'y a pas d'Enderman par contre? Quand il y a le respawn, il n'y a pas d'Enderman? J'y comprends rien les amis là. Oh là 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 là! Le dragon est là! Taillot Messire! Désolée, je me concentre un peu, du coup je remarque que je parle pas trop. Mais je vous avoue que c'est pas si évident que ça de voler et en même temps gérer où on envoie nos flèches. Hop, 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 hop. Donc il reste plus que les tourelles où il y a des cages. Alors c'est parti. Merci au totem qui nous a évité une mort. Bon, on va pas se mentir que ça va être assez compliqué du coup. Bon, très bien. Ender Dragon, bonjour. Bon, bah j'ai bien peur que je vais pas y arriver en fait. J'aurais dû prévoir des blocs. À part dans mon Ender Chest, bien évidemment, où j'en ai pas mal. Hop, hop, hop. Ender Dragon, fiche-moi la paix. Hop là. Bon, bah vous avez vu l'animation du coup de Totem d'immortalité. Waouh, punaise, oh non! Il nous a tués! Non! Oh punaise! Oh les amis! Bah décidément, aujourd'hui, le fail attitude d'Elo est présent au summum. On va pas se mentir. Par contre, il n'y a toujours pas d'Enderman, c'est chelou, non? Pourquoi il n'y a pas d'Enderman? Bah mince! Autant tout à l'heure dans le monde normal j'ai tué plein de mobs. J'ai tué des Endermen là avant de faire respawn le dragon. Comment c'est que j'ai pas d'Endermen? Par contre j'ai pas tout mon stuff, donc il doit y avoir une partie du stuff là-haut. My god. Bon par contre ouais, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'Endermen là. Ah il a carrément fait péter le... D'accord! L'Ender Dragon a fait péter son truc. Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Donc il ne reste plus qu'une tourelle. Bon, par contre, pas d'Enderman. Là, je comprends pas pourquoi. Hein. Je vous avoue que. C'est un mystère. Oh punaise! Oh punaise! Oh punaise! Oh punaise! Hello, t'as même pas. Oh my god, les gens.
J'aurais dû casser la cage. J'ai pas voulu casser trop haut parce que j'ai eu peur pour à cause de l'Under Dragon. Yes, on a réussi. Bon, par contre, là, il est au centre, donc je suis obligée d'y aller. Bon, bah, du coup, ça m'aura valu 2 morts. Mais par contre, pas d'Enderman, c'est... très étrange, on va pas se mentir. Très, très étrange qu'il n'y ait pas d'Enderman. Pourtant, avant de faire respawn les tours, j'avais des Enderman tout à l'heure. Bah, si tu restes là, copain, je peux pas voler pour te taper avec l'arc. Hein. Allez! Envole-toi! Wouh! Il nous a fait voler dans les airs, là. Sacré compagnon, hein, Standard Dragon. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ça m'aura valu 2 morts de refaire l'Under. Bon, écoutez, ma foi. Quand on est mauvais, j'ai envie de te dire. Allez, est-ce qu'on va se réussir à se le finir rapidement? Bon, bah, du coup, vous aurez eu la mort et les 2 morts épiques de l'eau. Vous aurez vu bah, le totem, l'animation. Fiche-moi la paix, espèce de sale petit crétin. Pour rester courtoise. Allez, meurs! Bon, bah, je suis vraiment déçue en vrai. Hein. Je pensais que je vous montrerais un meilleur gameplay que ça. Allez! Et là, on a de la vie, hein. Je sais pas combien il a de PV au total. Wow, 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 wow! Calme-toi! Bon, il s'est renvolé. On va essayer de le finir dans les airs. Je vous promets rien. Oh, dommage! Il s'est reposé très vite en vrai, d'habitude il met un peu plus de temps à se reposer en bas. J'arrive pas à avoir sa hitbox. Bon, bah, on l'a tué avec beaucoup de mal, on va pas se mentir. C'était pas foulichon. Pourquoi? Ah, j'ai... ah oui, ah j'ai utilisé l'arc... ouais, ok, je comprends mieux. Bon, bah, on prend l'XP, écoutez. Bon, bah voilà, j'ai retué l'Under Dragon. Alors, les amis, on se retrouve. Donc, c'est bon, j'ai tout simplement des Kuroko et à nouveau les Enderman. Je ne sais pas pourquoi, lorsque j'ai fait réapparaître l'Under Dragon, j'avais plus d'Enderman. J'ai pas compris parce que bah, j'étais toujours en difficulté normale puisque j'avais rien modifié. Donc, j'ai tué une troisième fois l'Under Dragon parce que vous voyez, j'ai un et j'ai un deuxième portail là-bas. Donc, je l'ai pas fait avec vous en vidéo. Je vous montrerai honnêtement le deuxième que j'ai tué. Était pire. Pire que le premier. Au niveau du gameplay, donc je vous montrerai le premier que j'avais tué. C'est vraiment pas évident de faire tout full en élytra. Pour aller faire l'usine Enderman, il faut que je m'éloigne de 150 blocs de l'île principale pour pouvoir avoir le spawn des Enderman que dans l'usine en gros. Donc voilà, 2 stacks de 64 plus 22, ça vous fait 150 blocs. Donc je vais bridge jusque là-bas, commencer un peu une plateforme et je vous retrouve dès que je suis là-bas. Alors, on se retrouve. Donc vous voyez, j'ai fait 3 de largeur là au niveau du chemin. Donc vous voyez que les Enderman spawnent dessus. Donc c'est juste un truc de malade. Et là-bas, tout au bout, vous voyez, ça fait un petit carré. Si je monte un petit peu plus haut. Alors... vous voyez, là-bas, j'ai un carré qui est de 15 x 15, à peu près. Si je dis pas de bêtises... ouais, 6 de chaque côté, donc 12 plus 3, 15. Ouais, c'est ça. Et ben là, vous voyez, en fait, pour pouvoir permettre, en gros, à notre bonhomme de pas tomber... parce que c'est un peu ça aussi, le délire. On va faire ça comme ça. On va mettre... non, attendez. Si, parce qu'il faudra mettre des carpettes au-dessus. Alors, je vais vous expliquer. En fait... un Enderman, lui, il va vouloir chercher, en gros, s'il y a quelque chose autour de lui pour pouvoir se TP. Sauf que même si on met un truc en position bas,
Bah, il se téléportera. Donc, le seul moyen de l'empêcher de se téléporter est tout simplement d'utiliser des carpettes. Parce que il ne peut pas se TP sur les carpettes. Et du coup, il faut mettre deux couches de carpettes. Donc, c'est pour ça que j'ai farmé vraiment beaucoup de laine. C'est parce que c'est le seul moyen, en fait, de les empêcher de se TP. Voilà, tout. Donc, là, je fais vite fait un décor. Là, je trouve, histoire de faire un truc un minimum potable, on va dire. Ça va pas être le truc le plus oufissime du monde, on va pas se mentir. Mais le but, c'est pas vraiment de décorer une usine Enderman, c'est juste pour XP. Et vous allez voir que ça vous fait XP de folie et que c'est juste démentiel. Hop, c'est juste pour le fun que je décore un tout petit peu là, vraiment. Parce que vous allez voir que globalement, c'est pas très décoratif une usine Enderman. Et peu importe si vous voulez la décorer, en fait, bah, les Endermen, vu qu'ils spawnent dessus, ça vous permet pas en gros de décorer parce qu'au final vous êtes obligé de mettre des carpettes. Et on va pas se mentir que les carpettes ça rend les choses un peu dégueulasses quoi. Ah, je suis pas le genre de personne à faire ça comme ça, d'affilée. J'ai trop peur de tomber dans le vide. Donc je pose un bloc par un bloc. Donc c'est bien pour ça que je vais vous faire des ellipses et que je vais pas vous faire un truc en accéléré ou quoi. Parce que c'est pas potable du tout, on va dire. Mais grosso modo, voilà, il faut déjà faire ça. Faire en sorte que, voilà, on a un accès sécurisé jusque là-bas. Donc pour pouvoir rendre l'accès sécurisé, bah, il va falloir se faire un toit. Donc un toit de blocs d'eau. Ou de blocs ennemis, donc ici, au pire des cas. Pour pouvoir empêcher, en gros, les Endermen de se TP dedans. Parce qu'en fait, si vous faites un truc à plus de 3 blocs de haut, l'Enderman, vu qu'il fait 3 blocs de haut, ils peuvent se TP. Donc c'est votre seul moyen d'être tranquille, entre guillemets. Donc là, il va falloir dégager ça parce que sinon, on ne pourra plus passer. Et ensuite, donc, il faut que je prenne ma shulker avec les carpettes dedans. Enfin, les carpettes avec la laine, du moins. Je vous avoue que niveau inventaire, c'est le bordel. On va le dire clairement. On va appeler un chat un chat. Donc, c'est le gros foutoir de chez Foutoir. Bon, on va laisser ça comme ça me choque pas tant que ça au final. On va éviter d'être tintillon là-dessus. Alors, les carpettes, du coup, comme ça. Et vous voyez, on en obtient très très peu. Donc, c'est bien pour ça que j'en ai fermé plein et je sais même pas si j'en aurai assez. Donc, il va falloir vous mettre deux hauteurs de carpettes. Que ce soit ici ou sur les côtés. Pour empêcher les Endermen de se TP. Donc voilà ce que je vais faire là déjà en votre absence. Et après je vous expliquerai comment ça se passe l'usine là-bas. Par contre j'ai oublié de prendre un wagon avec des rails, avec des trappes, pour pouvoir positionner une Endermite. Donc l'Endermite, c'est pour ça que j'ai fermé des Enderperles. L'Endermite, on l'obtient en cassant des Enderperles. Donc il va falloir que je retourne à la maison rapidement pour pouvoir aller chercher ça. Histoire de pouvoir finir l'usine après. Donc je vais vous laisser ici. Donc voilà, vous voyez tout ce qui m'attend pour les 150 blocs à venir jusque là-bas. Et après, je vous expliquerai là-bas pour faire le récupérateur des Enderperles. Et puis vous expliquer comment ça fonctionne, le comportement des Endermen, tout ça. Donc je vous retrouve un peu plus tard, les loulous. Alors je vous reprends un peu. Donc vous voyez, j'ai un peu avancé quand même. Mais j'avoue que c'est très long. Mais franchement, n'hésitez pas à le faire, même si ça vous prend quelques heures. Parce que vous allez voir, après, ça rapporte de l'XP, mais de malade. Je suis partie. Ah, attendez, c'est pas dans celle-là, c'est dans l'autre. Je suis partie chercher justement rail, minecart. Il vous faudra un name tag pour renommer l'Endermite pour pas qu'elle despawn, des trappes. Et c'est ce que j'avais oublié. Donc, et vous voyez, là, niveau laine, ça commence à bien baisser. J'avais farmé, je crois, 16 stacks. Donc, on va pas se mentir qu'il va vous en falloir pas mal. Je pense qu'il faudra peut-être même d'ailleurs retourner au champ, ça tombe, pour pouvoir avoir assez. Donc là, vous voyez, ils sont spawnés là-bas au bord pour le moment parce que je suis pas assez loin. Mais après, vous verrez, ils spawneront que dans l'usine. Et c'est ce qui va nous permettre vraiment d'avoir de l'XP à gogo, on va dire. Et il faut savoir que du coup, un Enderman peut vous aggro à 64 blocs à peu près et se TP autour. À peu près à 64 blocs. Donc en fait, il va aggro l'Endermite. Endermite, l'Endermite, enfin comme vous voulez. À 64 blocs. Donc en gros, là-haut, je crois que je vais faire une plateforme de 25 x 25. Je vais pas en faire une de 64, ça sert strictement à rien. Ça sera largement assez rentable, vous verrez, pour pouvoir avoir assez d'XP, quoi. Donc je continue tout ça tranquillou pépère, hein, et je vous reprends un peu après.
Alors, on se retrouve, donc voilà, je suis venue jusqu'ici. Donc là, au bout, vous voyez, tout au bout, là, au niveau de la zone de 15 x 15, j'ai tout simplement mis 3 hauteurs de stone brick, quoi. Et j'ai placé des coffres jusqu'ici, vous voyez, donc j'ai placé 6 rangées, quoi, on va dire, sur 2 hauteurs. Et j'ai mis des hoppers derrière qui regardent vers les coffres. Et là, comme ça, on va avoir tout le système de récupération des underpearls de chaque côté. Donc là, à la rigueur, si vous voulez, vous pourrez mettre une table d'enchantement, hein, ici, hein, à la rigueur. Mettre des coffres de stockage pour les enchantes. Et ici, on aura notre récupérateur en underpearl qui regarde par là. Regardez. Vous voyez, ici, là, on récupérera les underpearls qu'on va faire monter pour pouvoir aller directement dans les hoopers qui sont là. Et ça remplira ici en premier et après de l'autre côté, par exemple, et ainsi de suite, quoi, vous voyez. Donc rien de bien compliqué en soi à mettre en place parce que bah, je vous ai déjà montré comment faire les filtres, tout ça, l'ascenseur à item et tout. Donc là en gros on est une zone de 9 x 9. On compte pas le premier bloc où il y a les hoppers, mais après on compte et on doit monter de 44 blocs. Donc là vous voyez ici directement j'ai mis déjà une petite dalle des familles. Donc là je suis déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là vous voyez par exemple je suis déjà à 10. Donc il faut monter de 44 blocs, je vous ai dit. Donc il faut essayer de bien gérer le truc, on va dire. Mais voilà, et tous les 2 blocs ennemis, vous allez poser une dalle, vous voyez. Donc là, enfin tous les 2 blocs ennemis, du coup, ici, vous voyez, vous allez poser une dalle. Histoire qu'en gros, les Enderman ne puissent pas se TP sur les dalles, quoi. Vous voyez, c'est juste pour ça en fait qu'on va faire ce système. Donc, et on doit monter de 44 blocs. Donc je vais déjà faire ça dans un premier temps sans vous, histoire de pas perdre trop de temps au niveau de la vidéo, parce que avoir tué l'Ender Dragon, ça aura pris déjà pas mal de temps au niveau de la vidéo. Donc il faut que vous fassiez ça. Donc vous montez de 44 blocs et tous les 2 blocs ennemis, bah, vous posez des dalles déjà. Et après, on se retrouve là-haut pour la suite des opérations. Alors ça y est, donc on est au niveau de la couche 60. 60, non. 44, pardon. Donc en gros, quand l'Enderman va tomber là-bas en bas, il va arriver à un demi-cœur. Donc en gros, avec la main, on peut les tuer en un coup. Et on peut faire également ça tout simplement bah, avec une arme. Parce qu'on a un dégât de zone. Après, plus si vous avez un filage, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est en gros, de chaque côté, on va ajouter 20 blocs. À peu près. Là, je vais vous montrer. Je vais juste poser les 20 premiers blocs avec vous. Et ensuite, je vais vous montrer où poser l'Endermite, tout simplement, quoi. Et moi, je vais faire la plateforme sans vous. Comme ça, ensuite, on va finir le stockage en bas. Et on sera déjà pas trop mal pour cet épisode, en vrai. Parce que l'air de rien, il va durer beaucoup plus longtemps que d'habitude. Donc voilà, je m'en excuse d'avance, du coup. Parce que c'est vrai que vous avez l'habitude des épisodes plus courts, on va dire. Et là, j'ai peur de tomber parce que vraiment j'ai une phobie du vide, les amis. Mais IRL aussi, et je vous assure que dans le jeu, quand je suis dans l'end, c'est la même. Et je suis tombée dans le void il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vous avoue que sur une autre aventure survie, et depuis, je suis un petit peu en mode panique, on va dire. Alors, là, une, deux, et ben vous allez mettre non, l'Endermite ici, à cet endroit-là, d'accord? Donc là, pour pouvoir la faire apparaître, il va falloir utiliser des Enderpearls. Donc on va la placer ici. Donc on va faire en sorte qu'elle s'échappe pas. Donc on va faire ça. Donc vous voyez, je vais mettre 20 blocs de chaque côté. Et tout simplement, bah, il va falloir combler la zone de sur 20. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autres choses à faire, on va dire. C'est la seule solution pour avoir une plateforme de TP. Enfin, de TP. De spawn, pardon. Des Endermen. Alors du coup, l'Endermite va être placé ici au centre. Et après, je vais vous expliquer comment bah, ça va se passer, quoi. Alors, j'ai mes élytras, donc ça va, j'ai pas de... Faites attention par contre, si vous avez du... Ah, j'ai pas de solidité, tiens, sur mon pantalon, j'avais pas fait gaffe. Donc, voilà, il faut la renommer pour pas qu'elle despawn, hein. Donc là, c'est parti, on va spam les enderpearls pour essayer d'avoir une endermite à renommer. Donc faites gaffe aux dégâts de zone, vous voyez que ça fait. Vous perdez un demi-cœur par enderpearl lancé. Donc, il faut plutôt faire gaffe à sa vie. Hop, on va manger un petit coup pour pouvoir régène. Alors, je suis régène, donc j'ai quasi plus de bouffe. Donc, j'espère qu'on va finir par l'avoir, l'Endermite.
Parce que j'avoue que là, ça devient Tordax, il va falloir redescendre. Ah, oh, on en a une, on en a une. Allez, Mimi. Merde, elle veut pas aller dans le minecart. Oh putain. Oh putain. Oh les amis, oh je suis deg. Oh je suis deg. Bon, bah je vous retrouve dès que je suis dans l'end, dès que j'ai récupéré mon stuff. Alors on se retrouve, donc au final j'ai récupéré tout mon stuff et j'ai commencé à travailler sur autre chose avant d'aller m'occuper de l'Undermite. Donc vous voyez, j'ai posé pas mal de stone brick. J'ai pas eu assez pour faire la zone totale. Donc il faudra que je referme de la pierre. Donc voilà, là j'ai commencé l'ascenseur à item. Donc au final, les enderpearls, au lieu de partir d'ici au centre, j'ai décalé en fait les hoppers pour les diriger vers le dropper. Donc là, j'ai plus de stone brick du tout. Donc il va falloir que j'aille en chercher. J'ai utilisé les dernières pour faire ça. Donc en gros, mon dropper, regarde ici. Ici, je vais mettre un fil d'eau. Donc je vais utiliser des algues. Je vais enlever la soul sand. Et j'ai disposé des algues avec de l'eau pour avoir une source d'eau infinie en haut et pouvoir avoir mon ascenseur à item. Donc en gros, derrière le dropper, vous allez mettre un bloc. Vous allez mettre un comparateur qui va permettre de détecter s'il y a un changement d'état dans le dropper. Donc l'observeur permet de détecter le changement d'état du comparateur afin de pouvoir transmettre le courant. Donc qui est transmis à travers le bloc là. Donc on met un petit fil de redstone, un petit repeater sur un tick. Parce que si vous ne mettez pas sur un tick, bah, tout va se cumer dans le dropper et ça ne sera pas envoyé en fait l'item. Et là vous mettez deux fils pour rejoindre ici. Donc avec ce bloc là, on réalimente le dropper, ce qui permet au dropper d'avoir une impulsion afin de pouvoir envoyer l'item. Voilà tout simplement pour l'ascenseur à item. Donc je m'occupe de faire ma colonne de bubules pour pouvoir alimenter ici, en gros. Pour pouvoir faire mes stockages et ensuite je vais aller former un peu de roches histoire de pouvoir terminer ma plateforme du haut. Donc je vous reprends tout à l'heure. Alors c'est parti, donc vous voyez, j'ai fait l'ascenseur à item. J'ai été rechercher toute la stone brick que j'avais à la maison. Donc l'ascenseur à item qui est ici, donc en gros les items vont arriver là-dedans dans le hopper qui est ici. Il faut qu'on mette la double couche de carpet ici. Ouais, tout à fait, j'avais raison. Les Endermen vont commencer à venir enquiquiner leur monde pour rester poli. Allez, oust! C'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma Thunderpearl, c'est à force de les tuer. Quand j'étais en train de poser mes carpettes. Bah, l'air de rien, ça m'a permis d'avoir pas mal de Thunderpearl. Donc il faut que je mette encore toute la laine ici. Donc vous voyez, il vous faut une quantité de laine assez astronomique, on va pas se mentir. Donc là, vous voyez, j'ai fait tout le chemin avec les hoppers. Donc heureusement qu'on avait dû faire à la maison parce qu'en vrai j'en ai plus assez, j'ai dû retourner à la maison pour le faire. Mais voilà, on avance, on avance. Donc il reste encore l'Undermite à mettre là-haut, à finir la plateforme, à finir de poser la laine et l'usine Enderman sera finie. Donc l'air de rien, ça prend un paquet de temps. C'est vraiment une usine très longue à faire, mais dès qu'on l'aura fini, je vous montrerai un peu l'efficacité et vous verrez que franchement, il faut pas hésiter à la faire quoi. Donc je vous laisse. Alors, c'est parti. Donc, on n'a plus que l'Undermite à poser. J'ai plus de stone brick sur moi. C'est la folie furieuse. Alors, on va reprendre ça. Donc, j'ai fait la plateforme à fond ici. Donc, il manque vraiment que l'Undermite ici. Donc, c'est parti. Ah, ça a vraiment été l'épisode de la complexitude en vrai. Parce que, bah, trois morts quoi. Une qui a été empêchée grâce au totem d'immortalité. Une quand l'Ender Dragon a fait péter lui-même le cristal. Et bah, une à cause de l'Endormite. En vrai, les gens, j'aurais dû utiliser mes fichus Elytra pour voler. Et j'ai pas eu le réflexe d'utiliser mes Elytra pour fly, histoire de pas déjà prendre des dégâts de chute. J'ai vraiment une peur phobique de laine depuis que je suis tombée dedans il y a quelques temps. Et je sais pas. J'ai beaucoup plus de mal à bridge et tout, à avoir mes réflexes dans laine depuis ça, quoi. Bon, allez, s'il vous plaît. Ah punaise, il y a une Undermite. On a réussi à se sauver les gens là. Wow. Bon, est-ce qu'on va réussir à la coincer, la petite peste?
va déjà régène. Déjà. Première chose. Après, il faut qu'on essaie de la mettre dans son fichier minecart. Où là, c'est quasi mission impossible. On va pas se mentir. Ça risque d'être compliqué. Oh punaise, allez! On peut pas qu'on regarde un Enderman, sinon on est mal. Gros un de cette barge. Oula. Bon, bah les gens, on peut pas dire que je sois très brillante aujourd'hui. Alors regardez, elle est là, la petite peste. Donc je ne sais pas comment on va faire. Donc je vous avoue que je passe de deux morts, dont la première mort que j'ai eue dans l'End quand on a exploré l'End. Vous voyez? Et l'autre mort, on l'a eu bah, l'épisode dernier, quand on a voulu avoir la tête de Creeper. Donc on peut dire que je suis très très prudente normalement. Et là, cet épisode, c'est la décadence complète, quoi. Punaise, elle arrête pas de me faire tomber. Mais non, mais c'est pas vrai, tu vas te placer où je veux, petite saleté. Je sais même plus où elle doit être placée du coup. Alors. Ouais, donc elle doit être placée juste au bloc qui est après. Alors, est-ce qu'il me reste assez de fer sur moi pour refaire un minecart histoire de pouvoir la pousser ou pas? Ah. Attendez. Les Endermans sont déjà aggro par l'Endermite. Ils l'ont vu. Flûte. Est-ce qu'on va y arriver un jour, vous croyez? Oh, j'ai plus que 3 fer, mais c'est pas vrai. Ah bah, réussir à me tuer, hein. Bon, bah, je vais devoir faire un aller-retour à la maison pour chercher un minecart, les amis. Alors, les amis, voilà. L'Endermite est posée. Les Endermites, vous voyez, sont aggro par elle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre des trappes ici, comme ça, sur les côtés. Pour que, bah, les Endermites puissent, bah, tomber, quoi, en gros. Comme ils sont attirés par l'Endermite, ils veulent la toucher et ils vont vers les trappes. Bon là, eux, ils le font pas parce que bah, ils étaient bloqués parce que j'avais pas mis les trappes. Mais si on regarde en bas, vous voyez, il y a plein d'Enderman. Donc voilà, l'usine est globalement... Bah, globalement, est finie, carrément, j'ai envie de dire. Je vous avoue que là, moi, j'ai peur de m'envoler depuis tout à l'heure. On va dire que c'était l'épisode de la décadence. On va pas se mentir. 4 morts en un épisode. Je crois que j'ai jamais été aussi nulle dans ma vie dans Minecraft. Bon, écoutez, on va essayer d'aller là-bas pour vous montrer un peu l'efficacité de l'usine. Hein. Après autant de galères, j'ai envie de vous dire que ça serait bien de voir le fruit de notre laurier, on va dire. Et j'avoue que je suis tellement déçue. Ah oui, vu qu'il y en a que j'avais tapé, il y a de l'XP en bas. What the fuck? C'est ça, je crois bien. Mais regardez, il tombe en masse. Regardez-moi ça. Regardez l'XP que l'on a. C'est un truc de dingue. Attendez, je vais d'ailleurs baisser le son parce que je crois que sinon, ça va vous tuer les oreilles. Mais regardez-moi ça. Il y a une pluie d'Enderman constante. Donc l'usine marche vraiment bien, les amis. J'avoue que moi, je suis très, très... J'étais très, très nulle dans l'épisode. Je crois que je vous ai jamais montré autant un manque de skill dans Minecraft. Autant sur d'autres jeux, je suis très nulle, mais globalement sur Minecraft, je m'en sors pas mal. Que là, franchement, waouh. Regardez, on est niveau 20. Oh, regardez la pluie d'XP. C'est juste incroyable. Regardez, regardez, regardez. On va être level 30 si ça continue. Oh là 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 là. Regardez-moi les bouboules d'XP. Oh là 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 là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et regardez comment on a gagné 20 niveaux en peu de temps. C'est un truc de malade mental. Donc vous voyez, ça marche très très bien. En dehors du manque de skill que j'ai eu dans l'épisode, je vous assure que c'est vraiment la meilleure usine à faire pour l'XP. Là, j'avoue que du coup, on peut les viser que de là, mais sur les côtés, vous pouvez changer
Bah, vous pouvez retirer ça et les mettre un peu plus hautes, quoi. Vous voyez. Donc voilà, on est passé au level 30 en peu de temps. Et normalement, voilà, les enderperles se stockent de ce côté-là en premier et après elles iront de ce côté-là. Donc, on a fini pour cet épisode, les amis. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker. Même si c'est un pouce rouge parce que j'ai été mauvaise, je ne le prendrai pas mal, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à commenter aussi. Et n'hésitez pas à proposer l'usine que vous voulez voir au prochain épisode. Même si je pense qu'au prochain épisode, on fera l'usine à Creeper. Histoire d'avoir des fusils un peu plus à l'abandon. À profusion plutôt. Pas à l'abandon, hello. Donc voilà, je vous laisse ici pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé parce qu'il aurait été beaucoup plus long. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les loulous.